En tant que facilitatrice chef de file, j'ai été missionnée par EOL pour accompagner les entreprises à répondre à leurs obligations d'insertion. Nous sommes là pour proposer des publics éligibles et accompagner toutes les personnes en insertion lors de leur parcours. Ça peut être des personnes qui sont demandeurs d'emploi longue durée, des bénéficiaires du RSA, des jeunes moins de 26 ans qui sont déscolarisés, ça peut être des travailleurs handicapés. La clause d'insertion peut être une opportunité d'avoir accès aux grands groupes d'entreprises, de grandes majors, qui, par le réseau classique, ne pourraient pas prendre ces personnes en insertion. À l'heure actuelle, on a pu faire profiter à une quarantaine de personnes des contrats qui ont une durée moyenne entre 3 à 6 mois. L'idée, c'est de faire basculer les personnes qui sont en contrat de travail temporaire d'insertion par des CDI de chantier pour pouvoir les pérenniser, les garder le plus longtemps possible sur le chantier.